Good morning, allez Yiden, et ce soir aujourd'hui, le Nishmat, François Benjamin Rana, j'ai une rue de bonne fortune, la salle de la cloche, le Michel Benjamin Linda et Solvanich Levet Delmar. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions en Maser NPA, Périgimel, Michel Levet. A Imahot, Shel Betsalim, Chayavot Bapéa, Verabi aussi, Poter, Malbenant à Betsalim, Shel Ben, Ayarak, Rabbi aussi, Omer, Péa, Mikol Achat, Véachat, Vachatramim, Omrim, Mais Achat Al Hakol. Toujours le même principe depuis le début du deuxième chapitre, à savoir, j'ai un champ. Quand définir que j'ai un champ devant moi ou deux champs devant moi? Si c'est un champ, tu laisses une PA pour tout. Si c'est deux champs, tu laisses une PA pour chaque champ. D'où maintenant, toutes sortes de situations particulières. Lorsque tu vas faire une espèce considérée comme deux espèces considérées comme une espèce, on a vu tous les cas de figure. Et à présent, maintenant, on va un petit peu, un cas un peu, le début de la Mishnah sur un cas un petit peu différent. À savoir à Imaot Shel Betsalim. Waouh, les mères des oignons. C'est quoi la mère des oignons? C'est qu'en fait, il y a des oignons qu'on laisse, on fait pousser dans le but, pas pour les consommer eux-mêmes, on va les laisser pousser pendant très longtemps, jusqu'à la fin de eux, on va prendre des, alors je sais pas si on prend des graines, ou si on prend des morceaux de racines, ou je sais pas exactement quoi, pour en faire d'autres oignons. C'est-à-dire que tu laisses pousser des oignons, pas dans le but de les consommer, mais dans le but d'avoir de là des nouvelles pousses pour faire d'autres oignons. Ça s'appelle la Imaot Shel Betsalim. Par elles, elles vont faire naître les autres oignons, c'est leur mère. D'accord? Maintenant, ces oignons-là, quand tu vas laisser vieillir, il s'avère qu'ils sont consommables, mais pas agréables à manger, difficilement consommables, plus précisément. C'est-à-dire, quand on est super bloqué, qu'on n'a pas le choix, on va les utiliser, ça va donner un goût pas parfait. Du coup, les gens les considèrent comme des espèces qui sont... C'est des végétaux sympathiques, mais pas des objets, pas des choses comestibles, de prime abord. C'est là la discussion précisément entre Rabbi Yossi et Chafamim. Aïmaot Shel Betsalim, les mères des oignons, c'est-à-dire les oignons mères qu'on laisse planter uniquement pour en faire de l'agriculture ensuite. Eh bien, ces oignons-là, Chayavot de PA, elles sont imposées de PA, parce que finalement, puisque c'est consommable, et ces deux oignons, un oignon consommable, alors il est imposé de PA, même si toi, tu as décidé de ne pas le consommer. Rabbi Yossi Poter, Rabbi Yossi dispense, étant donné que, concrètement, ils sont difficilement consommables et tu n'as pas l'intention de les consommer. Malbenot, maintenant, autre sujet en rapport cette fois-ci avec la première Mishnah de notre chapitre. Malbenot à Betsalim Sheben Ayarak. Les losanges d'oignons qu'on laisse entre les yerek, entre les légumes. C'est-à-dire, tu as un potager chez toi, tu as planté un peu de concombre et un peu de tomate et un peu de ci et de ça, et il est d'usage apparemment de ne pas les rapprocher de trop, j'imagine pour ne pas que ça puisse trop de force de la terre, ou je ne sais pas exactement pourquoi, et entre les deux maintenant, un espace vide, alors l'usage était de planter des oignons, parce que concrètement, j'imagine qu'ils ont chacun des réactions différentes, qui puise plus, qui puise moins de la terre, donc il y a des techniques, c'est très intéressant, on voit dans la Gemara, aujourd'hui on ne vit plus tellement tout ça. Je pense que même en agriculture, les gens ne savent même plus faire de l'agriculture initiale. Aujourd'hui, on a tellement d'engrais, on exploite tellement la terre à 60 000 fois plus que ce qu'elle était capable de faire. Mais concrètement, il y avait plein de techniques. On faisait des années comme ci, des années comme ça pour laisser la terre se reposer. Un, il va apporter certains éléments que l'autre, il va réutiliser. C'était une grande chorma, l'agriculture. Je reviens sur notre sujet, en tout cas. On a, apparemment, c'était l'usage entre les légumes de laisser des carrés d'oignons. Ça poussait facilement. Peut-être ça puise pas beaucoup de force dans la terre, peut-être au contraire ça pousse plus à l'extérieur. Et donc du coup, pour laisser un petit peu la terre mieux se reposer entre les deux, on mettait des oignons. Du coup ça fait qu'on a un champ avec, un potager avec, un peu de concombre, un peu de tomate, un peu de courgette, et en plein milieu des oignons et des rectangles d'oignons, des rectangles d'oignons. L'accent de savoir, c'est que maintenant tous les rectangles d'oignons c'est un seul champ d'oignons, ou chacun c'est un champ indépendant. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la Mishnah Aleph, la marque de Machamé Betiel, où là-bas, cette fois-ci, on parlait plus de champs différents. On parlait de champs d'oliviers, il y avait des oliviers, et bien évidemment, entre les arbres, alors on avait l'usage de mettre toutes sortes de céréales à pousser entre deux, parce que pourquoi ne pas exploiter tout le terrain. Mais là, cette fois-ci, c'est différent, c'est en rapport avec maintenant ce qu'on avait vu, que Zera Acher Mafsi, qu'on avait vu dans le Pérec Bête, que si tu plantes une même espèce, un grand champ de blé, mais qu'en plein milieu tu as fait une rangée d'orge, il n'y
il y a deux champs de blé, parce que l'orge, il va en prison. Zera acher mafsik. Mais là, la question est de savoir, comme c'est l'usage de planter de la sorte, est-ce que cette fois-ci, on va considérer que c'est deux champs ou c'est un seul champ? Si c'est l'usage, alors tout le monde regarde, il y a un champ d'oignons avec au milieu des petites parcelles de différents légumes, en tout cas, on voit tout le champ d'oignons. C'est la marque exactement qu'on entend à Biosir, Rahamim, Malbenot, Abetsalim, Sheben Ayarak. Les losanges des betsalim, des oignons, qu'on laisse entre les différents légumes. Rabbi Yossi Omer, Péa Mikol Achat, Ve'achat, Rabbi Yossi Omer, eh bien, tu laisses une Péa pour chacun indépendamment, Ve'achachaymim Omrim, mais Achat à la colle, les Chachamim me disent, non, c'est un seul grand champ, tout le monde fonctionne de la sorte, lorsqu'on voit un champ pareil, on comprend bien qu'il y a ici un seul champ d'oignons. Par rapport aux oignons, c'est un même champ. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sakha, comme tout, c'est là.